le parcours du flying disc, ou plus communément appelé frisbee, de Tali, se trouve à l'ouest d'Helsinki, sur un plateau qui domine la mer Baltique. Ce parcours est le seul à être doté de 18 trous, ce qui en fait le plus grand d'Helsinki. La règle est la même qu'au golf. Le par, qui est le nombre de coups pour réussir le trou, peut se jouer en 3, 4 ou 5 coups. Si le par est de 5 et que vous le faites en 4, vous aurez moins 1. Allons voir Valtteri pour une initiation à la technique du lancer de disque. Il y a différentes techniques pour lancer le disque. Vous avez le tir franc, ce qui envoie le disque tout droit. Il finit son vol à gauche. Et vous pouvez ajuster l'angle du disque comme ça. Le disque commencera son vol à gauche, plus ou moins, au commencement, et il continuera son vol sur la gauche. Et si vous voulez aller à droite, vous pouvez ajuster l'angle, comme ça. Alors quand vous le lancez, il ira à droite. Mais tous les disques ont tendance à aller à gauche à la fin du vol. Mais il y a différents disques qui vont tout droit, ou tout de suite à gauche. D'autres tournent à droite et reviennent à gauche à la fin du vol. Il y a, encore une fois, différents disques. Vous pouvez ajuster l'angle du disque, on appelle ça hyzer pour aller à gauche, et unhyzer pour aller à droite. Voilà les bases. Alors, il y a 15 disques? Ouais, autour de 15. Je l'ai fait déjà. Joli coup. J'ai un peu trop enroulé, mais ça va. Je ne veux pas aller très loin, mais surtout près des limites autorisées. Et ensuite, avec mon troisième coup, je le traverserai. Tu le fais. 4 en dessous du par. Merci.